voici, il est arrivé, le nouveau numéro de Point de vue initiatique, comme chaque trimestre, cette fois-ci donc en septembre 2023. Vous savez que les francs-maçons aiment beaucoup les dualités. Et parmi ces dualités, la première, celle sur laquelle on s'interroge en permanence en loge, c'est celle de la matière et de l'esprit qui se développe en profane et en sacré. Mais cette opposition, elle va plus loin. C'est également l'opposition, et ce sera le titre de ce numéro, du spirituel et du temporel. Et cette opposition dans l'histoire, on l'a retrouvée en permanence, qui est la lutte entre l'autorité et le pouvoir. Alors je vais vous donner une citation de Charles Péguy sur le sujet du spirituel et du temporel, une citation qui remonte à 1913, et écoutez bien, elle est terrible. C'est vraiment un grand mystère que cette sorte de ligature du temporel et du spirituel. On pourrait dire que c'est une sorte d'opération d'une mystérieuse greffe, très mystérieuse en effet. Le temporel fournit la souche, et si le spirituel veut vivre, s'il veut continuer, s'il veut fleurir, s'il veut fructifier, le spirituel est forcé de s'y insérer. Ce spirituel et ce temporel n'a pas qu'une dimension collective ou institutionnelle. C'est aussi une dimension personnelle. L'un des précédents numéros de Point de vue initiatique traitait du sujet de la pensée et de l'action, éternel marronnier des francs-maçons. Comment est-ce que je fais pour que mon travail d'esprit se traduise d'une manière concrète en action? Dans ce numéro, je l'espère, beaucoup de matière à penser. D'abord, on va vous parler de la spiritualité du rite écossais ancien et accepté, celui qui est pratiqué à la Grande Loge de France, qui est vraiment notre fondamental. On va vous parler de l'amélioration de l'homme sur les deux plans dont on vient de parler, de l'autorité du pouvoir, de tout ce qui s'est passé du point de vue historique jusqu'à la loi de 1905. Un petit sujet très intéressant qui concerne les rites d'installation et les rites de légitimation. Aucun pouvoir ne s'installe sans qu'il ait été durablement légitimé par le spirituel. Et puis nous aurons deux interviews, comme à chaque fois, dont une interview d'Éric Mangin qui va nous parler de Maître Eckhart et une interview de Perrine Simon qui va nous parler du problème des déterminismes et de l'émancipation. Je vous cite une petite phrase de l'interview d'Éric Mangin à propos de Maître Eckhart, dont on parle également beaucoup en loge. C'est un personnage qui attire beaucoup les propos et la réflexion. Je vous lis. « J'aime beaucoup le chemin intellectuel qui s'appuie sur la tradition pour parvenir à innover. » Et ça, c'est également l'esprit du point de vue initiatique. On innove qu'en travaillant sa tradition, en la dépoussiérant, en la critiquant. C'est évidemment ce que fait Maître Eckhart. Un mot sur les prochains numéros de Point de vue initiatique. Celui du mois de décembre sera très important parce que vous vous souvenez peut-être du numéro qui avait été publié une dizaine d'années qui s'appelait Paroles de grands maîtres. Bien cette fois-ci, nous allons avoir les paroles de jeunes initiés de la Grande Loge de France. Il y aura 28 articles, ce sera un numéro tout à fait étonnant. Et puis, premier trimestre de l'année prochaine, on aura un numéro consacré de manière plus classique à la loge, comme un creuset et comme un maître. Enfin, pour pouvoir vous abonner à Point de vue initiatique, retrouvez-nous sur le site de la Grande Loge de France et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux où nous assurons notre permanence. À très bientôt.